Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier grattage de cette semaine, hein, semaine caniculaire bien entendu, sur la France. Donc aujourd'hui pour ce grattage abonné numéro 509, eh bien c'est Louvre 8338 ou 8338 qui a été tiré au sort. Félicitations à toi. Alors, ça ressemble un petit peu à une vidéo défi hein, aujourd'hui, mais non, c'est bien un grattage abonné. Puisque notre cher Louvre a demandé eh bien, 10 fois 10 tickets qui nous avaient porté chance l'autre jour. Donc j'espère que ça va être la même chose aujourd'hui. Avant de démarrer la vidéo, vous pouvez bien sûr laisser le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La petite tradition désormais des grattages abonnés avant de démarrer le grattage, c'est la présentation d'un ancien ticket, et voici un ticket personnellement qui ne m'avait pas forcément marqué, qui n'est pas très vieux non plus, c'est le double, donc voilà, qui est tiré hein, du jeu de cartes, donc c'est un ticket avec absolument aucun fond. Ils ont mis un espèce de fond jaune-orange, mais rien d'autre, et les bords violets. Hein. Donc niveau design, déjà, ça partait déjà très mal. Le principe du jeu. Donc, nous avions la pioche qui était ici avec des symboles, et puis trois jeux différents en dessous. Il fallait tout simplement découvrir un symbole identique à ceux de la pioche pour chacun des jeux pour remporter le gain qui était associé. Voilà, hein. On avait quatre symboles par jeu. Mais il fallait en trouver juste un pour avoir le gain qui se situait en dessous. Voilà, hein. Le ticket était à 3 euros, on pouvait gagner jusqu'à 30 000 euros. C'était pas exceptionnel, je trouve, comme ticket. Mais enfin bon, de toute façon, ça n'a pas duré longtemps. Ticket sorti en 2017, début 2017. Donc 2 millions de tickets. Hein. Donc déjà, on voit bien que c'était un ticket éphémère. Un petit peu plus de lots à 6 qu'à 3, des lots à 15, des lots à 30. 1000 lots à 100 quand même, hein. Il y a certains jeux qui n'en mettent même pas 500, je parle des jeux à 3 bien sûr, et 20 lots à 1000 pardon, et 2 lots à 30 000 euros. Tableau de lots également assez maigre avec très très peu de lots différents disponibles, même si bon voilà, il y avait quand même une petite chance d'avoir les 100 euros contrairement à certains autres jeux du même prix. Donc voilà pour le ticket double qui n'est pas resté je pense dans les mémoires et dans la mienne non plus. On va passer au grattage. Alors hop, bon, j'ai pas l'impression qu'il y avait un ordre de toute façon quand j'ai regardé, un ordre précis. Bon, on va commencer par le déchirer. Je sais même pas s'ils viennent tous du même carnet, j'espère que oui, enfin j'espère. Ouais, si, je pense qu'ils viennent quand même tous du même carnet. Hop, on va attaquer avec le 73, le déchiré. Hein. Hop, le ticket déchiré. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce premier x10, on y va. Voici les numéros gagnants. Ouh là là, le 60, le plus gros numéro qu'on peut avoir. Le 14 et le 57. C'est parti. Le 8. Le 41, le 19, le 26, le numéro 13, on a le 14, le 9, le 59, on a le 60, le 22 et le numéro 23, rien sur le premier ticket. On passe au second, ticket numéro 51, hop. Alors, numéro gagnant, le 31, le 12 et le 53, 59, 21, le 13, on a le 12, le 30, on a le 31, le 16, le 36, le 6, le 52, on a le 53, on aura tout eu à côté ce coup-ci, et le 26, rien sur le second. Hop, on passe au troisième ticket pour l'instant. Pas un très bon début, mais on ne peut que s'améliorer, bien entendu. 24, on divise par 2, le 12 et le 49. Le numéro 8, le 21 encore. Le 21 à la même place
que le ticket précédent, le 46, le 22, formidable, le 23, c'est magnifique, on a le 24, ah là, là franchement c'est magnifique, 48, on a le 49 bien évidemment, 43, le 47 et le 32, ça part pas très très bien, hein. Hop, 3 tickets, 3 perdants pour l'instant. On passe au quatrième ticket. C'est parti. Alors, numéro gagnant, le 22 ce coup-ci. Le 38 et le 14, encore une fois, qu'on avait déjà eu. Le 6. 37, on a le 38. Le 23, hein, on a le 22. Le 27. Le 55. Le numéro 30. Le 26, 48 et le 52. Ça ne veut pas pour l'instant, même pas un multiplicateur. Hein, pour l'instant, rien du tout. C'est zéro pointé. Ticket numéro 21. J'espère que celui-là est gagnant. Voici les numéros gagnants. Le 57, le 28 et le 30. Le 8 encore. Encore le 8. 55. Ah, enfin, x 1. Bon, c'est déjà ça. 27, on a le 28. 43. Vous voyez, le ticket 21 est gagnant. Vous voyez. Le 16, le 1. Le 58, on a le 57. Et le 29, on a le 28. Bon, plus que 2 euros, s'il vous plaît. Ah, 4 euros. Bon, et ben c'est déjà ça. 4 euros sur le cinquième ticket. Hein, donc... J'espère maintenant que les 5 derniers vont nous donner quelque chose d'un peu plus consistant. Alors, 6ème x 10, c'est parti, le numéro 33. Les numéros gagnants sont le 58 qu'on avait eu, non c'est le 57 qu'on a eu sur le ticket d'avant, le 8 qui tombe en numéro gagnant et du coup qui tombera pas là, et le 33. 30, 59, magnifique. 44, le 1, le 21, le 43, le 9, on a le 8, le 34, on a le 33, et le 36. Aïe, 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 aïe. Septième ticket. Est-ce qu'on va s'en sortir aujourd'hui? Rebelote, le 60, le 38... Et le 16, c'est parti. 42, 26. Ah, oh, x2, très bien. Ça, c'est sympathique. Alors, j'espère qu'on va avoir quelque chose d'autre pour compléter. Le 59, c'est magnifique ce 59. Hop, là, ce coup-ci, on a le 60, nous. Le 37, il y a le 38, c'est merveilleux. Le 53, le 19. Le 23, ah, et le x1 à ça, ça c'est une bonne nouvelle, on est dans la même situation que l'autre jour, on va voir ce qu'on a, ah, magnifique, je pense qu'on va réavoir 15, ou peut-être 20, est-ce qu'on peut avoir 20, attendez, je vous dis des bêtises là, on peut pas, eh ben non parce que... Non, il aurait fallu qu'il y ait 10 ici. On est d'accord qu'on va avoir 5. Voilà, parfait. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique, là, c'est sûr. Voilà, il est là, notre bon ticket. En plus, on a 15 euros sur le ticket numéro 15. C'est magnifique. 15 sur le 7e. 7e fois 10. On a réussi à avoir le même gain que l'autre jour. C'est magnifique. Dans la même configuration. Et bien, ça, c'est plutôt sympathique. Il nous reste 3. Ticket, bon bah au moins le grattage n'est pas perdu. Le 33, le 14 et le 24, c'est parti. 13, ah bah ça. 34, oh on a le 33, on a le 14 et le 24, ça tombe le 34. Le 11, 45, le 41, le 35. Le 18,
Le 54 et le numéro 16. Non, rien sur celui-ci. Il nous reste deux tickets, le numéro 9 et le numéro 3. C'est parti pour l'avant-dernier. Les numéros gagnants sont le 24, le numéro 13 qui retombe en numéro gagnant et le 47. Le 6 qu'on a déjà eu ici à cette même place avec le 8 également, le 51. Le 14, on a le 13, ce coup-ci ils ont inversé. Le 36, le 48, on a le 47, le 52, le 29, le 58 et le 55. Hop! Dernier x 10, mesdames et messieurs. On y croit. 59, 39, et le 48 comme numéro gagnant. C'est parti. 40 tout court. Non. Le 47, bien entendu. Le 60, c'est formidable. On l'a eu deux fois et malheureusement, il tombe ici quand on a le 59. Le 13. Le 45. Le 51. Bon, on va faire quelque chose. On va gratter les sommes des trois. Des trois billets qui restent, des trois liasses, des trois billets. Vous voyez, la chaleur, ça fait peur. Hein. Bon, bah, c'est des sommes abordables. Hein. 10, 2 et 4. Techniquement, on peut avoir les trois. Mais enfin, on va voir. Alors, 27, non. On peut avoir surtout aucun des trois. Hein. Ah oh, oh, oh. Eh ben, c'est pas mal. Eh ben voilà, c'est magnifique. 2 euros et le 49, on a le 48. Ok, bah 2. Eh ben c'est très bien, voilà, le ticket était gagnant. Vous voyez, on a eu une bonne idée. Bon, eh ben c'est à peu près le ratio qu'on a d'habitude hein, quand on prend 10 tickets, 3 tickets gagnants sur les 10. Mais heureusement, on en a un à 15, donc on a 2. Et 4, 6 et 15, 21 pour 20. Donc nous sommes officiellement en bénéfice d'un petit euro aujourd'hui. Donc 21 sur 20 grâce à Louve. Merci encore pour ta demande. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu, la partager, la commenter. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre demande pour le prochain grattage. Abonné sera la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi 29. À noter que le jeudi 31, il y aura le défi du mois. Donc, dernier jour du mois d'août. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche des notifications. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous. Bye bye et à mardi.